messieurs, dames, la famille, la société, on a respect pour nous toutes. Jeudi à ce dimanche 11 avril 2021. Non, je vous voulais prendre quelques secondes pour me capable saluer, pour me capable remercier tout haïtien de bonne volonté. Haïtien de bonne volonté, c'est haïtien qui a fait pareil qui bon, pareil qui droit. Haïtien qui levé chaque jour pour être capable de chercher l'assistance pour la famille. Haïtien qui a fait effort pour payer capable de demain meilleur. Et ou même qui trouvez en Haïti, ou même qui aux États-Unis, Canada, la France, Brésil, Chili, Mexique, Saint-Domingue, Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, n'importe qui côté trouver sous la terre, bien noté maintenant Guinée. Eh bien, matin, hein, nous même ici à Nanvoi, la caille, nous saluons, nous disons, et effort, nous disons, point courage, nous connaissons, et pays nous, la vivre en situation critique. Et tout le monde a pu quitter le pays, tout le monde qui a un petit moyen a pu quitter le pays, ou la diaspora, qu'on a eu presque pas voué et transféré en Haïti à cause que le gouvernement a mis à disposition pour capable couper le point nous. Un pays, la majorité ça pour faire ou bien pour faire en dollars, les dollars arrivent en Haïti, mais depuis en l'air, il y a un dollar dans la main, il y a un bon goût. Et puis, ou même qui a besoin de faire une transaction en dollars, obligé de tourner, il y a fini prendre dollar dans mes yeux et puis même quand tu as acheter dollar dans mes encore même dollar pour là tu as acheté dans mes encore ça veut faire que en pile diaspora il fait transfert par République Dominicaine pour assister Saint-Domingue qu'a bénéficier des transferts ça ou bien ou bien option soit pour en perso ou bien Saint-Domingue pas la question de ou obligation pour prendre en perso après pour acheter dollar donc pas gagner comme ça. Et mais c'est dans cette situation ça qui mettait le pays, nous là, malgré le problème d'insécurité, eh bien, nous avons l'autre, c'est des mesures pour chaque tête en bas, que nous avons paquet de dans le pays d'Haïti, à prendre compte de la société. Dans la vidéo, ça, et moi, je vais partager deux vidéos ensemble avec nous, qui passaient, débarquer qui passaient Saint-Domingue. Et c'est Haïtiens qui continuent à bailler problème en République Dominicaine. Vidéo, ça, il y a un point de drogue, ensemble avec assassinat. Trois Haïtiens, assassiné yon dominicain et yo et façon que yo assassiné dominicain regardez c'est bagay pet chargé y a trop violence dans vidéo a nous pas capable partager l'ensemble avec sous channel là ou après c'est dominicain c'est devant yon business yon colmado après dominicain et puis haïtien vinn paraître une sortie à gauche l'autre sortie à droite et puis yo attaqué dominicain yo attaqué à coup de roche coup de poing yo poignardé dominicain. Nous déjà connaissons les haïtiens fait un bagarre comme ça en République dominicaine, et bien pas de vengeance parce que dominicain pas prêté de bois croisé pour faire pour un haïtien vinn touyer yon dominicain et même si c'est dominicain qui t'a en tort, yo pas accepté bagarre comme ça encore. Nous déjà connaissons qui ça qui va le passer les que yon haïtien lui-même lui commet un bagarre comme ça. Nous pas connaissons qui ça qui te gagne. Mais dans vidéo ouais, dominicain lui-même dit chita, nous pas connaissons que te gon. Est-ce que tu es déjà un compte? Nous ne connaissons pas ce qui est passé. Mais ouais, c'est Haïtien qui vient paraître. Et puis, Goumen et pété. Malheureusement, il était pour col. Et bien, trois Dominiques Haïtiens avec coup de poing, coup de roche. Et puis, à la dernière minute, ils ont joué du râler au couteau. Ils piquaient Dominicain. Et puis, Dominicain lui-même, il mourut. Dominicain, ça lui mêlait Rualing et Figueroa. Il y a 17 années seulement, Dominicain. Rualing Figueroa, 17 années, ça passait dans Barrio Landia et Los Alcarrizos. Nous ne connaissons pas si c'est Los Alcarrizos qui trouve dans en Santo Domingo Oeste. Nous ne connaissons pas si c'est lui-même, si c'est dans l'autre zone, nous ne connaissons pas si c'est directement du côté. Mais ça passait en el Barrio Landia et Los Alcarrizos. C'est Rualing Figueroa qui a seulement 17 années que Haïtien a retiré la ville. Et dans une façon que nous ne connaissons pas ce qui s'est passé. De l'autre côté, la police nationale en République dominicaine, yo même, ça passe dans Constanza, la province de La Vega. Côté, yon haïtien, pendant les campés, la police qui t'a mené opératif, qui t'a fait patrouille, yo voyait un haïtien qui campait suspect. Et puis pendant la police, policier a avancé sur Haïtien. Haïtien fait, il dit, pied, ça ne mange pas bas. Il pétait courir. Il était gagné un sachet dans la main.
li voltige nan yon a Kanyara, mba konne Kanyara si se yon ravine, yon san kreol, mba konne la rekol yon a Kanyara, en bien, et sache a tombe, en bien, j'en ap kade nan video sa, mba la ki video a bono, pou nou kapab wèl, en bien la polis le ou debouche et sache a, en bien yon jwen 400 grammes drogue la dan. Mba konne si se marijuana ou bien si se et l'autre petit bagaille là, on va connaître qui s'allie. Si c'est cocaïne, on va connaître, il gagne 400 grammes et non sachet. D'après sa information préliminaire, il a expliqué que les policiers eux-mêmes ont passé dans un an dans l'opératif du haïtien. Haïtien même li couru, li lancé, li voyé et papier et foune à terre. Et puis la police arrive les prendre, ils joignent et ils joignent là-dedans. Mais oui, et dans sa chair, il a joint une quantité 131 portions de yon poudre que il dit il était capable de cocaïne. Poudre là c'est cocaïne et puis on l'autre 200 portions encore. On l'autre 200 portions que crac crac. Il y a 200 portions de crac là-dedans, et puis il y a un végétal là-dedans, tout qui est marijuana. Il dit cocaïne, crack, marijuana, c'est ça que Haïtien lui-même a déporté dans sa chair. Mais c'est Haïtien lui-même qui a continué à bailler problème. Et tout côté au passé, c'est tracas, c'est problème que Haïtien lui-même a bailler. Il est sorti d'Haïti, mais c'est pas tout Haïtien, parce que nous connaissons un peu l'Haïtien qui vient en République Dominicaine. Il vient en République Dominicaine, il vient travailler. Haïtien, et Jean Mounio qu'on a dit ça en façon de c'est ton bête qui remet travail. En plus là, c'est qui vient Saint-Domingue, c'est pas parce que tu as arrivé vient Saint-Domingue. C'est parce que en Haïti, premièrement, au grand phénomène insécurité enragé, et c'est un bagaille qui a bailler en pile problème en pile haïtien pour quitter pays, c'est phénomène insécurité qui fait en pile haïtien à pour quitter la caille. Si c'est pas pour ça, pas d'argent quitter la caille. Deuxième bagaille qui fait haïtien pour quitter la caille, c'est travail, tout chômage là, enragé, il n'y a pas de travail, il y a des haïtiens qui sont domaine, il n'y a pas de place, c'est à bien faire. Place pas là, vraiment, en République Dominicaine, c'est haïtien qui a pris en bas, il y a un travail, il y a un jardin, si tu as un petit problème, il y a un comme la banque prêté, il y a un prêté. Si tu as une infrastructure, par exemple, pour ne pas t'apprendre, c'est la pluie tombée, pour que le jardin soit capable de bouger, et le gouvernement te fait curage, tu te il te mette et préparé barrelé et pour capter de l'eau et puis de l'eau ça t'a utilisé pour capable user jardin paysan qui sait des moyens pas t'a venir ce domaine mais c'est si parce que nous pas gain rien en Haïti moun nou yo pas fait yo pas préparé rien pour petit peuple là ou gain moun yo obligé venir en République Dominicaine mais c'est pas parce que yo même yo t'a appelé venir là c'est problème insécurité problème travail qui pas gain en Haïti qui fait que nous joignent en pile dans compatriotes qui obligent, nous dit obligent parce que c'est pas eux qui veulent, ils obligent de venir parce que pas de travail, parce que pas de insécurité, vous venez au groupe, on l'autre groupe, c'est parce que l'école, pas de université suffisante dans le pays d'Haïti, on l'autre groupe obligé de venir étudier en République Dominicaine. Mais c'est ça, on l'autre groupe monde venir, c'est pour question la médecine, l'hôpital qui pas de pas de santé, on l'autre groupe qui vient pour ça. Et puis, on l'autre catégorie, c'est le monde qui vient copier, qui vient prendre plaisir, qui vient faire tourisme en République Dominicaine. Parce qu'en Haïti, ça n'a pas gagné. L'Oasia n'a pas gagné. Par exemple, salle cinéma, pas gagné programme, pas gagné même. Le peuple a même obligé de mettre col dehors pour être capable de survivre. Nous sommes contents, nous sommes ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Nous souhaitons rencontrer ensemble avec vous dans l'autre occasion pour nous capables de continuer à informer sur tout fait qui a dominé l'actualité non seulement en Haïti, mais tout à l'étranger. Passez une très bonne journée. Nous capables de retourner dans n'importe quel moment pour nous continuer à informer sur tout ça qui a passé en Haïti, dans l'autre bord de l'eau.